Bonsoir à tous, les 4500 points attendront à Paris, le CAC 40 consolide ce soir. BNP Paribas est sous pression ce soir malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les investisseurs s'inquiètent d'une éventuelle très grosse amende aux États-Unis. Le titre Air France KLM est malmené après des comptes jugés trop justes. Et puis déception aussi pour Saint-Gobain malgré un bon début de séance. Orange, qui s'est déjà adjugé hier 3,3%, poursuit son ascension. Nomura est conforté dans son avis à l'achat sur le dossier valorisé 12 euros par action. La séance du jour a été marquée par la reprise de cotation d'Alstom qui bondit logiquement ce soir après la confirmation d'une offre ferme de General Electric sur son périmètre énergie. Le montant de l'offre est de 12,35 milliards d'euros en numéraire et Alstom se donne un mois pour conclure un accord sans exclure une éventuelle contre-offre de la part de l'Allemand Siemens. Si cette offre était validée, Alstom se concentrerait sur ses activités dans le domaine du transport dont il est le leader mondial. Il utiliserait aussi le produit de la cession pour rembourser sa dette et pour redistribuer le solde à ses actionnaires. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous vendredi matin dès 9h30.